Alors, je m'appelle Eva Betavadi et je travaille au CADTM Belgique. Alors, je suis venue ici parce que je travaille spécifiquement sur la question des dettes privées illégitimes et particulièrement celles qui sont liées à l'hypothèque et sur les dettes et sur le lien de la dette au logement et au droit au logement. Et c'est pour ça que j'ai pensé que c'était important de participer aux réunions de cette coalition ici à Lisbonne pour découvrir quels sont les différents mouvements sociaux à travers l'Europe qui travaillent sur le logement, comment ils le travaillent, quels sont les droits qu'ils revendiquent et comment le CADTM peut s'inscrire en fait dans ce combat pour le droit au logement à travers son expertise sur la dette. Alors, le CADTM, c'est le Comité pour l'abolition des dettes illégitimes. Et donc, notre travail s'oriente sur l'analyse des dettes publiques et privées, à travers le monde, mais aussi en Europe et dans tous les pays d'Europe. La raison, je pense que le lien entre la dette et le logement est que... On a remarqué, il est évident que la crise qui a démarré il y a 10 ans est une crise des dettes privées et non pas des dettes publiques comme il a été dit par de nombreux hommes politiques et par les médias dominants. Et donc que cette dette privée, cette spéculation financière qui l'a accompagnée, cette bulle spéculative immobilière, qui a éclaté et qui a privé des milliers de ménages de leur droit à habiter quelque part. C'est un des combats essentiels qu'on essaye de mener et je pense que c'est un combat extrêmement lié à la dette et à la fois, si on veut comprendre les mécanismes qui ont provoqué la crise, il est important de se pencher sur cette question des bulles financières et des bulles immobilières qui ont généré cette crise en fait. Et donc, à la fois c'est important pour le CADTM de comprendre les mécanismes qui ont provoqué cette crise du logement et à la fois je pense que les mouvements qui se battent pour le droit au logement peuvent s'alimenter du travail que le CADTM fait pour les dettes privées. Après, le CADTM, il travaille pas seulement autour de la question des dettes privées, il travaille sur les dettes publiques, il essaye de mettre en lien différentes problématiques liées à la dette, par exemple, la problématique de la colonisation, de la néocolonisation, du féminisme, la problématique des banques, comment elles fonctionnent. On a des revendications pour les socialiser. Et aussi, on travaille sur les légitimités des dettes publiques. On se bat pour annuler les dettes publiques illégitimes, illégales, odieuses, insoutenables.